Alors je sais qu'ici il y en a plein qui kiffent. Vous avez des personnages incroyables, des personnages à la fois puissants et musclés et beaux et forts. Ouais, tu m'as appelé? Oh, t'as cru que je te parlais, mais en fait je parlais pas de toi. Moi c'est le beau et fort hein, qui m'a... Bon, raconte pas ta vie. Aujourd'hui on va voir 4 personnages juste insane. Vous allez voir, c'est du lourd. Bref, Francis, balance moi ce petit générique s'il te plaît. Bon, je pense que vous connaissez, on va parler de Honkai Third. C'est un jeu iOS et Android, et maintenant disponible aussi sur PC. Si j'en parle, c'est parce qu'ils viennent tout juste de fêter leurs 2 ans. Alors pour l'occasion, j'ai bien sûr prévu une petite chanson. Non, je rigole. C'est un RPG où tu joues des Valkyries, mais pas que, on va en parler plus tard. D'ailleurs, ce mois-ci, une nouvelle Valkyrie. Du coup, on a le droit à un nouveau personnage principal, une nouvelle héroïne, qui s'appelle S. Durandal. Enfin, ça se prononce pas comme ça, je l'ai fait exprès pour la blague, parce que... Enfin bref, elle est méga stylée, on va pas se mentir. Comme à leur habitude, bam, un animé pour présenter. Comme à chaque fois, et comme d'habitude, c'est aussi clean. Et je vous en ai déjà parlé la dernière fois que j'ai parlé d'Honkai. L'animation est vraiment très belle et ça apporte une histoire au jeu vidéo. Vous pouvez check, ça donne vraiment envie. En plus de ça, ils ont sorti un DLC qui s'appelle Post Honkai Odyssey, qui apporte plein de nouveautés, un nouveau monde. Et en plus de ça, pour la première fois, on peut jouer un personnage masculin. Qui rigole également. Non, parce que Valkyrie en fait. Je la fais à chaque fois, mais à chaque fois elle me fait rire. Et oui, maintenant le jeu est disponible sur PC. C'est un très bon RPG et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Qui peut nous faire penser par exemple à Devil May Cry. Je vais vous donner mon avis sur Honkai. C'est un très très bon jeu, très bon univers. On s'ennuie pas, il y a souvent des mises à jour et des trucs à faire. Donc téléchargez-le au moins pour le tester. iOS, Android et également sur PC. On se retrouve là-bas et moi je vous souhaite une bonne vidéo. Allez. Hey, salut tout le monde, c'est Archmogos, je vais en parler de 4 personnages vraiment incroyables que j'ai sélectionné moi-même, mais le prochain vous allez y participer. Déjà, pourquoi pas lâcher un petit like si la vidéo te plaît, et même en commentaire 4 méchants qui imposent le plus dans les animés. Et là, ça me fait penser à Franck, mon prof d'anglais. Oh, si je te retrouve. Fais gaffe parce que tu risques de prendre fresh air. Ouais, c'est un rire à retardement, mais c'est parti pour la vidéo. Ce petit slime que vous voyez à l'écran là, il nous vient tout droit de Tensei Shitara Slime Dataken. On va pas se mentir qu'il est un peu overpowered. Pour contextualiser un peu la chose, en gros ça nous parle d'un mec qui vit dans le monde normal, qui va mourir et arriver dans un monde fantasy. Sauf que dans celui-ci il va se réincarner en slime, mais ça va être un slime assez particulier, car il a seulement 2 compétences qui sont un peu broken: récupérer les compétences des autres et également comprendre son environnement, savoir des choses que les autres ne peuvent pas savoir en fait, sauf s'ils font des recherches etc. Mais lui c'est quelque chose d'inné. Et quand j'entends inné, en fait je ne sais même pas ce que ce mot veut dire. Ça m'avait l'air le bon moment pour le sortir, donc je l'ai sorti. Non mais voilà, au moment on va pas se mentir nous. On est là pour se dire la vérité. Un mec qui peut avoir les compétences de ses adversaires. Imaginez la progression qu'il peut avoir. En plus de la puissance, il a également la connaissance. On a beaucoup parlé de cet animé quand il est sorti, mais franchement je trouve pas assez, parce que c'est un des meilleurs animés fantasy qu'on nous ait pondu. Le concept est assez simple, mais ça sort un peu de l'ordinaire. Le personnage principal, plus il avance, plus il fait des bonnes rencontres. Et c'est ça qui est bien, malgré qu'il soit cheaté, il y a quand même une histoire derrière. Enfin des bonnes, pas tout le temps, mais il y a des rencontres qui se fait quoi. En plus de ça, l'animation est vraiment très propre. C'est pas au niveau de Demon Slayer, bien sûr, mais c'est bien au-dessus la plupart des animés fantasy. Aussi à préciser, l'animé est tendance depuis sa sortie, ça veut dire qu'il est sorti en 2018 et les gens le kiffent encore, mais ça c'est qu'il y a une raison. J'en ai parlé en vidéo. Non, je rigole. Enfin non, j'en ai vraiment parlé, mais tu m'as compris. Tensei Shitara Slime Dataken est sorti en 2018. 24 épisodes, il touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, seinen et pour thème autre monde, monstre et réincarnation, disponible sur Crunchyroll. Et là vous pouvez être sûr d'avoir un personnage ultra puissant. Mob Psycho 100, ça c'est le summum de la puissance avec Saitama en fait. Il est tellement puissant qu'on lui interdit d'utiliser ses pouvoirs, et ça c'est très rare dans les animés. Il a des pouvoirs psychique, il est broken, du coup forcément les gens le rejettent un peu. Mais lui, il kiffe une fille et il veut devenir ami avec elle. Et ça c'est déjà une preuve de puissance. Vous allez me dire, son pouvoir il fonctionne comment? Ou alors vous allez peut-être me dire, qu'est-ce que j'ai mangé hier soir? C'est quand que tu sors une prochaine vidéo alors que vous êtes en train de regarder ma prochaine vidéo actuellement? Est-ce que finalement la Terre ne serait pas plate parce que si Big Mom a déjà été sous... Enfin bref, que de questions existentielles, mais moi je vais vous répondre que pour la première. En gros, son pouvoir dépend de ses émotions actuelles. Ça veut dire également que plus elles sont négatives, plus il peut faire du mal aux gens. C'est pour ça qu'il peut pas l'utiliser en public d'ailleurs, parce que c'est un truc trop instable et vraiment trop destructeur. J'ai eu du mal à le dire. Ouais. Mais si son courage est à 100%, il atteint l'état Mob Psycho 100, d'où le titre. Et c'est là qu'on y voit un personnage vraiment, mais vraiment overpowered et vraiment badass pour le coup. Et l'animation de cet ennemi joue beaucoup. Peut-être que l'animation peut déranger certains parce qu'elle est assez cartoon, je sais pas comment expliquer. C'est fait avec des traits épais et marqués, et qui fait pour moi toute la beauté de l'animé, on va pas se mentir. De plus, dedans il y a des personnages assez incroyables, comme son sensei, donc je sais plus comment il s'appelle, je vais pas vous mentir. C'est vraiment le genre de personnage qu'on veut voir dans chaque animé qu'on regarde. Il joue beaucoup pour les téléspectateurs, mais également pour le personnage à l'intérieur de l'histoire. On appelle ça un multi-role talent. Et malgré le overpowered que j'ai pointé du doigt, parce que c'est un peu le thème de la vidéo, je veux juste préciser que c'est aussi un animé émotionnel, de quoi vous faire frissonner. La saison 1 est sortie en été 2016, qui touche pour genre action, comédie, romance, cool life et surnaturel, et pour thème combat, école et super pouvoir, également disponible sur Crunchyroll. Bon, c'est pas fait exprès, je vous rassure, et de toute façon je pense que vous connaissez. Là on va parler d'un animé overpowered encore une fois. T'es peut-être en train de te dire que c'est le but de la vidéo, mais moi mon but c'était de gagner 5 secondes sur celle-ci. Je dis souvent on va pas se mentir, donc là on va pas se mentir. Bref, Yujo Senki, même scénario que Slime Dataken, mais différent.
là c'est pas vraiment un monde fantasy, c'est moitié fantasy, moitié réaliste. Cet animé je l'ai fait exprès. Cet animé j'ai fait exprès de le prendre parce que la puissance ne vient pas non plus par la force mais aussi par le savoir. C'est un mec, il est dans le monde normal, il décède, il y a un échange avec Dieu, etc. Il arrive dans un monde où en fait il devient une petite fille. Dans celui-ci c'est la guerre et les soldats peuvent utiliser la magie. Il y a des armées magiques. Sachez que la petite fille que vous voyez là, c'est la soldat la plus forte qu'ils ont jamais vue de leur vie. C'est vrai qu'elle est overpowered mais on parle pas de même puissance. Ce qui est bien entre cet animé, il y a un mélange entre le savoir et la puissance. Comme c'est quelqu'un d'intelligent et dans son ancienne vie il a déjà eu un vécu dans finalement un monde moderne, celui-ci qui est un peu plus vieux chronologiquement permet de lui donner un avantage. Et c'est grâce à son avance sur son temps finalement qu'il va réussir à se hisser vers le haut. Et c'est là où j'ai trouvé ça ultra intéressant. Si je vous dis Yuji Senki, vous me répondez complément d'objet indirect. Cette blague était incroyable, seule l'élite peuvent comprendre. C'est à toi de savoir si tu fais partie de l'élite ou pas quoi. Je sais pas si vous entendez, il y a des bruits de paix sur mon micro, etc. J'attends de recevoir mon filtre anti-pop. En vrai, c'est vrai qu'il perd un peu la bouche, genre il est un peu psychopathe, mais il s'entend pas très bien avec Dieu. Vu ce qui lui arrive, le dépasse totalement. Je pense qu'il a un peu perdu la boule à cause de ça. Mais bon, c'est normal, ça arrive. L'animé est sorti en 2017, il touche pour genre action, drame, surnaturel et pour thème autre monde, combat, bender, je sais pas quoi. Guerre, magie, militaire, réincarnation est disponible sur Crunchyroll encore une fois, mais là c'est vraiment pas fait exprès pour le coup. Si le dernier animé est encore sur Crunchyroll, je change d'animé que je devais vous parler. Attendez, je regarde. Non, c'est bon. C'est un animé chinois pour le coup. Et il est juste incroyable. Ça parle d'un mec, c'est un joueur pro sur un jeu. Ça fait 10 ans qu'il joue, le mec c'est vraiment un mastodonte. Il est connu parce qu'à lui tout seul, il a amené plusieurs victoires à son équipe. Et malheur, il s'est fait virer, il a dû donner son compte à quelqu'un, etc. etc. Enfin bref, c'est la décadence. Hein. Enfin bref, plein de trucs comme ça quoi. Il va pas abandonner, il va décider de reprendre le jeu depuis le début. Vous allez voir qu'il est vraiment ultra fort, ultra chaud. Bon, c'est vrai que c'est du chinois, ça m'a un peu ralenti, c'est pour ça que je l'ai vu il y a pas longtemps. Je comptais vous faire une vidéo entière dessus, donc peut-être que ça arrivera prochainement, on sait pas. Pourquoi personne me l'a conseillé? Genre l'animation elle est ultra clean et j'ai eu du frisson alors que j'aime pas les animés chinois de base. Ce qui va être bien dans cet animé, c'est qu'on va pas suivre un personnage qui connaît à 100% son jeu. Même au bout de 10 ans, ça fait pas 10 ans qu'il a recommencé dès le début. Le jeu a changé, en plus il est tout seul. C'est comme dans la vraie vie quand vous recommencez un compte quoi. À partir de 1, c'est compliqué, mais vu que lui connaît déjà à peu près le jeu, ça crée des scènes ultra badass. Il réalise des exploits que personne n'avait fait à son level. Du coup, il y a des gens qui vont le repérer, etc. Enfin bref, lui, son objectif, c'est d'atteindre le sommet encore une fois. L'animé comporte 12 épisodes, il est sorti en 2017, qui touche pour genre action, aventure, comédie et pour thème jeu vidéo. N'hésitez pas à le regarder, même si c'est du chinois, franchement, il en vaut la peine. Bref, c'est un shmanga, je vais parler de 4 animés où le personnage principal est overpowered par rapport aux autres de son animé. En fait, comme d'habitude, le like, si t'as aimé, ça me fait plaisir et ça aide beaucoup. Et aimez-moi en commentaire 4 méchants plus charismatiques, plus grands méchants de tous les animés. Enfin bref, vous m'avez compris. Et nous, on se retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo. C'était Rushmanga, allez, ciao, bye bye. Attends, si t'es encore sur la vidéo, je te le dis rien que pour toi. Il y a le rap qui est prévu dans pas longtemps. Voilà, je te le dis, c'est pour moi, c'est cadeau. Faut dire qu'on a bien avancé dessus, quoi.